Donc, salut tout le monde, je suis avec Alain Olivier, organisateur de l'événement Eden 8, présenté à Saint-André-Lavelin, au terrain L'Escouade. Donc, salut. Salut. Vous êtes organisateur d'événements Airsoft, mais aussi de toutes sortes d'événements grandeur nature et etc. Parlez-nous de votre expérience d'organisateur, d'où vous venez, qu'est-ce que vous nous présentez? Dans le fond, ça fait 11 ans qu'ici, au terrain à Saint-André-d'Avelin, qu'on fait des activités, que ce soit médiévales ou Airsoft. Dans le fond, nous autres, on spécialise pas mal en jeux de rôle. On incarne des personnages pendant une fin de semaine de temps, 3 jours, on décroche. Puis c'est ça, ça fait 11 ans qu'on organise ça, moi puis Alain. Oui, en fait, on est un organisme à but non lucratif qui s'appelle Le Grande Nature Phoenix. On est pas disponible sur Facebook. On a aussi gnphoenix.com qui est notre site internet. On a de tous nos événements. Présentement, on se consacre pour ce qui est de médiéval, donc des grandes natures médiévales, aussi appelé LARPing en anglais. Puis la Milsim, présentement, Airsoft, mais on est un peu différent, nous, on aime ça le mettre grandeur nature aussi. Là. OK, l'expérience immersive avec des rôles, des missions aussi, un peu à la Milsim, mais avec un scénario qui entoure ça. C'est ça. Nous autres, on a une équipe de scénaristes qui prépare ça à peu près un mois d'avance avant les événements. On se fait 3 factions, qui est les Fondes, la Terra et la Corporation. Là-dedans, on essaie de jouer dans un monde qui est la fin du monde, un monde post-apo. Mais en fait, c'est une belle chose. On se projette, mettons, dans 250 ans d'ici, où c'est qu'une famine qui a ravagé l'ordre mondial. Okay. Les grandes corporations se sont faites mises sous la tutelle de l'armée, donc la corporation militaire a été née de là. Les guerriers renoms, les criminels renoms se sont assemblés ensemble, ils ont fait de la Terra, qui sont l'organisation rebelle. Okay. Puis t'as aussi les Fonds qui sont des généticiens qui ont décidé de s'adapter avec la nature à des petits qui ont un peu génétiquement modifié. Là. Alors, il y a les 3 factions. Peu importe le style de jeu que tu aimes jouer, si tu veux jouer plus militaire, si tu veux jouer un peu plus freelancer, solo, ben t'as des groupes comme ça. Ou si tu veux complètement jouer un personnage qui est beaucoup plus RP, qu'on appelle, qui est beaucoup plus joué, mais tu peux aller avec les Fonds aussi. Là. Puis à l'intérieur de ça, il y a un black market, puis il y a du monde qui vend des ressources. C'est le principal. Ce qui est le fun, c'est que sur le terrain, on a des spawn points de ressources. Okay. Et le but, c'est que ton clan doit survivre. Donc, tu dois aller chercher des rations d'eau pour chaque soldat qui est dans ton campement. La nourriture. La nourriture. Tu dois aller chercher du carburant. Si vous avez un 4 roues dans votre clan, mais vous voulez activer le 4 roues, vous devez aller chercher une unité de gaz. Soit aller le capturer dans le campement ennemi, ou soit aller dans une zone de production. Alors, les zones de production, les spawn points, sont des zones d'action. Mm-hmm. Et puis aussi, tout le côté scénarisé que ton personnage, à chaque événement, évolue. Donc, tu peux être un médecin, devenir un médecin meilleur, devenir un opérateur de ces fameuses machines-là. Donc, ton unité doit être divisée avec les compétences que tu as besoin pour accomplir une mission. C'est ça, on voulait vraiment faire de quoi de différent que 10 000 cibles typiques Airsoft. C'est pour ça qu'on a créé l'Eden. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de game typique scénarisé que tu faisais un personnage. Nous autres, il y a de l'acting là-dedans, on lutte pour la fin du monde, on voulait faire de quoi de différent. C'est pour ça qu'à Eden, on est rendu à notre 8e événement aujourd'hui, puis on se projette d'en faire plusieurs encore. Là. Puis c'est en effervescence, on a commencé ici, on était quoi, 10-15 joueurs. L'année passée, notre plus grand événement, on a eu 85 joueurs. Puis c'est ça qu'on attend pour Eden 9 en juin. C'est sûr qu'en avril, un petit peu moins de monde parce qu'il fait encore frais, il y a de la boîte. Mais en juin, c'est son projet d'avoir 80-85 personnes, qu'est-ce qui est beaucoup pour des games d'Airsoft. Puis c'est un événement qui est sur 3 jours? Oui, 3 jours. Dans le fond, tu arrives le vendredi, tu prépares ton setup de camping. À 10h, on commence la game. C'est 24 heures sur 24 jusqu'à dimanche non-stop. La seule place que tu es hors jeu, c'est dans le parking, c'est ça. Dans ta tente, là. Dans ta tente, les zones à toi là, qui sont personnelles, qui sont... Mm-hmm. Si tu peux enlever tes lunettes, c'est ça, là, un peu plus sécuritaire. Comme hier, je pense que le monde, ça s'est couché à 4-5 heures du matin. Il y avait de l'action toute la nuit. C'est ça qui est le fun, tu sais. Il y a un roulement, puis c'est pendant 3 jours. Tu viens, tu dors ici, tu décroches. Donc, puis ton équipe, il y a des missions principales de survie, puis tu as d'autres missions side quest. Si toi, par exemple, ça fait 3-4 fois, tu te fais tuer par la même personne, mais là, tu peux décider, ben, je vais aller chercher ce personnage-là, puis on a un tortureur dans notre groupe, on va vider son information qu'on a besoin, puis avoir rapport avec l'histoire. Puis t'es vraiment libre de tes gestes, puis les joueurs influencent le scénario. C'est pas nous, on décide que c'est ça, c'est les joueurs qui font le scénario. Ils peuvent autant le changer comme qu'ils veulent. OK. Puis tu parlais même d'évoluer notre personnage.
selon les événements, le personnage peut évoluer. C'est ça. Comment ça fonctionne, ça? Quand tu arrives, dans le fond, nous autres, on a un guide de joueurs avec plusieurs compétences selon la faction que tu choisis. Okay. Puis à chaque événement que tu viens, tu peux rajouter une compétence à ton personnage. Mettons que tu es à ton premier Eden, tu es médecin, tu es au deuxième, tu peux mettre, mettons, artilleur. Ton personnage évolue, il grandit, devient de plus en plus compétent pour faire différentes affaires, pour venir vraiment polymorphe. Pour la mise en contexte, tout est rationné. Donc même les munitions, quand tu commences ton personnage, on te donne 120 balles pour ta fin de semaine au complet. Donc tu dois spreader ton 120 balles correctement, tu shoots pas pour rien. Tu peux envoler à du monde, tu es vraiment libre de tout faire ici. Là. Si tu veux vraiment attacher quelqu'un dans ta base, le torturer, fictivement on s'entend, tu peux le faire. Je pensais un peu, tu sais, moi je suis pas un grand gamer, mais je joue un peu à Diablo et tout ça. Puis... C'est un peu comme Fallout, je te dirais. On a fait un mix de Fallout et de Walking Dead. Là. Okay. C'est ça, on va juste des ressources, c'est ça. Différentes capacités ou genre. Je pense un peu au jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Mais d'être en équipe, c'est ce qui va aider à performer à l'intérieur du jeu, là. Garder ton unité et à accomplir tes missions. Vous devez ramasser vos unités. Si vous ne ramassez pas vos unités de survie, qu'on appelle, vous allez perdre les points de survie, puis votre personnage peut éventuellement être effacé. Vous devez recommencer un nouveau personnage. Donc, tout ce que vous avez accumulé, si vous n'êtes pas capable d'aller ramasser votre ration d'eau, votre ration de nourriture avant la fin de la fin de semaine, ben, vous perdez un point de survie. Après trois fins de semaine que vous n'avez pas réussi, ben, ça se peut que ça peut arriver la dixième fin de semaine. Là, votre personnage est rendu évolué, il a beaucoup de caractère, il est connu. Ça fait un genre d'histoire triste de perdre Rambo. Puis autant de monde qui viennent tout seul qu'en groupe, mettons, comme des teams maison qu'on a comme le KSK ou le Bacon Squad. Il y a autant du monde qui n'ont aucun groupe de Airsoft qui viennent jouer. Puis ils se joignent à une faction, puis tout le monde est accueilli à bras ouverts. Puis c'est ça. Pas besoin de connaissances particulières en gameplay ou... Non, c'est ça. Ben, dans chaque faction, on a des animateurs, dans le fond, qui font des grandeurs nature depuis belle lurette, puis qui intègrent bien les joueurs à la game. Oui, parfait. Prochain événement? C'est le 2, 3, 4 juin. 2, 3 et 4 juin, ouais. Donc... Eden 9. Eden 9, le 2, 3, 4 juin. Les organisateurs nous offrent gracieusement une paire de billets à faire tirer sur la chaîne pour la prochaine Eden. Donc, pour participer, simplement, likez cette vidéo, être abonné à la chaîne et puis taguer un ami sur l'événement sur la page Frost Utile sur Facebook. Donc, je vais mettre tous les liens en description du vidéo, que ce soit pour le terrain, la squad ou pour les organisateurs d'Eden et autres pour le concours. Donc, allez voir la description du vidéo, tous les détails vont être là. Donc, un gros merci à vous. Gear up, on est prêts. Bonne game. Va, on s'en va vivre l'expérience Eden. À la prochaine. C'est peut-être des zombies, ça, quoi? On est attaqué par une horde de zombies! Combien? Je sais pas trop! J'ai coupé la gorge. Excuse. Frost, c'est une zombie maintenant.